La gentillesse. Ma mère m'a appris que tout le monde a un seau de gentillesse invisible. Lorsque ce seau est plein, on est content. Mais lorsqu'il est vide, on est triste. J'aime bien remplir le seau des autres. Moi, je crois qu'être gentil, c'est sympa. Être gentil, c'est facile. Être gentil, c'est faire quelque chose de bien pour quelqu'un, ou bien leur dire quelque chose d'aimable. Être gentil, c'est même faire un gros câlin à quelqu'un qui en a besoin. Je pense qu'être gentil, c'est se demander comment vont les autres. Alors, comment faire? Moi, j'essaye de me mettre à leur place. Comme la fois où mon ami s'inquiétait pendant notre soirée pyjama. Alors, je suis restée éveillée toute la nuit pour qu'elle dorme à point fermé. Ou la fois où il faisait froid et mon ami avait oublié son pull. Alors, je lui ai donné le mien. Et la fois où je me suis préparée pour l'école toute seule parce que maman faisait une grasse matinée. Je pense qu'être gentil, c'est aussi penser aux gens qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui sont moins bien lotis que moi. J'aime bien être gentil. Ça me rend heureuse. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette histoire adorable encourage les enfants à remplir le seau de gentillesse des autres. Tout en renforçant qu'être gentil, c'est aussi gagner en énergie positive et en confiance en soi. C'était la gentillesse.